Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser YouTube pour régler différents paramètres comme la vitesse de défilement de la vidéo et également la sélection des sous-titres et la traduction automatique des sous-titres dans une langue de votre choix. Alors, voici ici une section du cours, présentation du cours. Vous avez ici donc la vidéo de Monsieur Jean-Philippe Eglinger. Vous pouvez cliquer dessus pour faire Bonjour, je suis fonctionner la Jean-Philippe vidéo. Eglinger, Je vais je travaille. diminuer le son. Dans Voilà. Donc voici les réglages. Là, si c'est avec pour une la voiture pause. intelligente, Là, on c'est pour pourrait régler le gratter son. la création Là, de c'est start-up la durée de la d'étudiants qui vidéo. deviendront en Et fait vous pouvez la des faire passer en plein entreprises écran en cliquant sur suivant ce des bouton, full campus screen. qui a été réalisé Voilà. à Pour partir sortir du d'un site mode plein internet écran, il indépendant suffit d'anglais. de Au profil des presser la étudiants, touche nous Escape allons utiliser cette et base vous revenez pour ici pouvoir dans le mode regarder les normal. modules en français. Vous voyez donc Cette qu'il y a base ici permettra les d'évaluer sous-titres l'effectivité en de ce bruit français. interactif pour les Maintenant, enregistrements si vous vidéo voulez et audio qui ne seront diminuer finalement la pas traduits en vitesse français de pendant le lecture de la vidéo on ou mettra fin à choisir ce par procès. exemple les Je suis sous-titres dans une autre disponible langue pour comme les le futurs vietnamien apprenants ou à une terme. langue qui sera traduite Alors, automatiquement à partir des pour sous-titres savoir si français. votre niveau Il faut aller sur suffit YouTube. Pour aller sur pour avoir YouTube, vous l'inscription sur passez votre votre cours a souris été sur la vidéo et faite vous voyez apparaître entre le logo initiation à YouTube et l'entrepreneuriat et il suffit de initiation cliquer dessus. À ce au moment-là, votre vidéo va s'ouvrir développement. directement dans YouTube et vous allez pouvoir avoir accès à davantage de réglages. Donc ici, par exemple, vous avez les sous-titres et ici les paramètres. En cliquant sur le bouton paramètres, vous avez ici la vitesse de lecture et ici les sous-titres. Cliquons sur sous-titres. Les sous-titres existent en français, France, c'est nous qui les avons créés, et également en vietnamien, c'est nous qui les avons traduits. Vous voyez que ici, YouTube, en général, crée des sous-titres dans la langue d'origine de manière automatique et également a la possibilité de traduire automatiquement les sous-titres. À partir des sous-titres en français, si vous voulez choisir le vietnamien, il suffit de cliquer sur vietnamien et vous voyez donc que les sous-titres en français seront remplacés par les sous-titres en vietnamien. Si maintenant vous voulez choisir une autre langue, laotien, cambodgien ou autre, il est nécessaire de choisir les sous-titres français, les sous-titres originaux, et ensuite vous pouvez choisir traduire automatiquement et aller chercher la langue de votre choix. Ici, je vais prendre l'anglais. Donc anglais, c'est A, c'est ici. Voilà. Et donc je vais vous montrer. Je vais d'abord réduire le son. Et voilà. Initiation en fait à la création de start-up. Donc, bien sûr, il faut disposer d'un certain nombre de compétences dures, telles que le marketing, la finance, la gestion d'équipe, la com. Voilà, donc vous avez vu comment c'est facile de sélectionner des sous-titres. Et quand les sous-titres dans la langue d'origine ont été bien créés, sont exacts, la traduction automatique en langue anglaise est généralement assez précise. Maintenant, si Monsieur Jean-Philippe Eglinger parle trop vite pour vous, vous pouvez diminuer la vitesse de défilement de la vidéo. Comme je vous l'ai montré au début, vous cliquez de nouveau sur le bouton Paramètres et vous allez à vitesse de lecture. Donc, de la vitesse normale, vous pouvez diminuer ou accélérer. Là, nous allons donc diminuer. Donc, on va passer à 0,75 et vous allez voir donc la différence dans la vitesse de lecture. Pour pouvoir mener à bien les modules, mais ce qui est important et ce qu'on va voir, c'est surtout l'état. Bien entendu, si vous diminuez la vitesse de lecture, il vous faudra davantage de temps pour visionner la vidéo. Mais d'un autre côté, cela vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que dit Monsieur Jean-Philippe Eglinger.
Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions ou des renseignements complémentaires à demander, n'hésitez pas à les poser dans le forum qui est à cet effet, qui existe à cet effet dans le cours. Je vous remercie pour votre attention.